Et salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de déballage et c'est l'édition collector de Tomb Raider, la Survival Edition. Donc, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de ça? On a pas mal de choses, on a un poster double face, donc avec la carte de l'île dessus, le livre d'art de Tomb Raider, 10 morceaux téléchargeables tirés de la musique originale et un pack d'armes Hitman Absolution, d'accord, et une pochette de survie. Bon, eh ben ça fait beaucoup de choses. Donc en fait, j'ai pris cette édition parce que je me sentais pas de prendre l'édition où il y avait la statuette. Parce que bon, déjà, j'ai celle de Connor qui est au-dessus de mon bureau. Alors ça me prend déjà pas mal de place. Alors, ce que j'adore, c'est que je ne suis pas doué. J'essaye de l'arracher, mais c'est pas possible. Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai employé les mêmes moyens que d'habitude, vu que je suis pas malin. Voilà, au moins comme ça, c'est réglé. Je vais me couper un doigt, je suis sûr. Je prends de gros risques pour vous. Voilà, donc, on va pouvoir enfin ouvrir cette fameuse boîte et découvrir son contenu. Parce que bon, accessoirement, me regarder parler pendant 3 heures, je pense que c'est pas non plus drôle pour vous. Alors, hop. Alors, comment c'est foutu? Alors déjà, la boîte, elle s'ouvre comme ça. Hop. Oh, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Alors, la pochette de survie qui sert, je ne sais pas trop à quoi, à survivre. Alors, à survivre à quoi? Ça aussi, j'en sais rien. On va déballer, on va regarder ce que c'est. Ça me fait rire parce qu'ils sont obligés de foutre du plastique de partout, quoi. C'est extraordinaire. En plus, putain, c'est en plastoc à l'intérieur. Je sais pas trop ce que c'est. Ok. Bon, voilà. C'est une pochette de survie. Alors, je sais pas, c'est pour y foutre quoi. D'accord, donc c'est scratché et tout. Hein. J'aurais jamais vu ça comme ça. Ok, là on peut foutre des seringues, j'en sais rien moi. Ma foi. Ok, donc c'est voilà, c'est une pochette de survie. Bon. Je commence à voir le délire un peu, mais. Enfin bref, je. Voilà quoi. Vu que je suis pas un trappeur et que je reste souvent à la maison, il m'étonnerait que ça me serve beaucoup. Alors ensuite, on a donc ce petit livre. Donc ça doit être le livre d'artbook. L'artbook, tout simplement. Ok. Alors hop. On va essayer de le découvrir un peu ensemble. Je vais mettre là, je sais pas si vous le voyez. Ouais, c'est bon, c'est cadré. Allez. Ok, donc c'est marqué en anglais à l'intérieur. C'est pas trop un souci, vu qu'il n'y a que des images. Hop, je montre un peu plus près. Ok, mais c'est pas mal quand même. Franchement, il y a de très très belles images, quoi. Genre celle-là, je sais pas si vous voyez. Franchement, elle est extraordinaire, je trouve. Bon, eh ben franchement, c'est vraiment pas mal, pas mal, pas mal. Il me tarde de découvrir ça dans le jeu bien comme il faut. Je suis très friand justement de ce genre de truc parce que je trouve ça franchement fantastique. Les mecs, ils font un boulot, mais formidable quoi. On s'en aperçoit pas parfois, mais c'est bien qu'ils mettent des trucs comme ça. Alors, hop, ça, c'est le fameux poster. Oh, excellent. Excellent parce que du coup, c'est double face, donc du coup, on a la map d'un côté et on a ça de l'autre. Donc ça, c'est vraiment fantastique. Ça, ça va aller sur mes murs, mais obligatoire quoi. Et donc de l'autre côté, la map du jeu, alors qui est sûrement à l'envers du coup, ouais, comme d'hab. Hop, donc voilà. Je sais pas si vous voyez bien comme il faut. Donc voilà. Putain, sacré poster. Hein. Et puis franchement, elle est vachement bien roulée pour le coup. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, hop, voilà, le fameux code. Pour donc en bref télécharger la bande son et putain encore heureux, le jeu. Donc voilà 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 une édition assez sympatoche je trouve. Bon même si la pochette de survie
me fait pas trop rêver, mais bon, voilà, je trouve que c'est sympa. Voilà. C'est déjà mieux que de se payer voilà, ça, 70 euros, tout simple. Donc pour 5 euros en plus, je trouve que c'est pas si mal que ça. Voilà. Je trouve que c'est déjà pas mal. Donc voilà, sur ce, c'était une petite vidéo de déballage de l'édition, de la Survival édition de Tomb Raider. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne soirée. Allez, ciao ciao !